la statue de Jésus qui bouge, à Castillo, au Mexique. Petite vidéo publiée en décembre 2016 et qui a été prise durant une procession à Castillo, au Mexique. D'après de nombreux témoins qui étaient présents, une statue du Christ qui était transportée aurait bougé durant une prière. C'est pendant une messe et durant la prière du Notre Père que plusieurs personnes dans l'assistant ont commencé à être troublées par quelque chose. La vidéo a été prise à ce moment-là et d'après les témoignages et ce que l'on voit sur les images, la tête de la statue aurait bougé. Sur la vidéo, on peut deviner en effet quelques mouvements. Mais très clairement, à la fin, on voit la tête du Christ qui semble se relever. La statue, assez grande et probablement très lourde, est portée par plusieurs hommes. On connaît hélas pas sa composition, ni si tous ces éléments sont fixes ou non. Difficile sans avoir tous les éléments de savoir pourquoi la tête a bougé. Si pour pas mal de croyants sur place il s'agit d'un miracle, il faut tout de même rester objectif. La sculpture étant portée, il est possible que les vibrations aient fait bouger une partie du Christ. On voit bien l'ensemble trembler sous le poids. La première vidéo a été prise en 2016 et la deuxième en 2015. Ces vidéos sont récentes. La vraie question, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. Chacun a son idée sur le sujet. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un ciel et que pour aller au ciel, le seul chemin et l'unique chemin, c'est la prière avec le cœur. Tout le reste doit vous aider à devenir saint pour aller directement au paradis. Et quand vous serez là-haut, demandez à Jésus si les images sont vraies ou pas. Pour résumer, le plus important, c'est la prière avec le cœur. Oh, Michael, you love me.